savoir quelle pierre me conviendrait le mieux pour ce que je recherche et comment savoir exactement ce que je recherche en fait par rapport à la pierre. On va lâcher le mental, on va aller dans le ressenti. Donc vous allez regarder toutes les pierres qui sont là et vous allez choisir la pierre qui vous attire réellement, celle que vous avez vraiment envie de prendre dans les mains. Et après, je vous expliquerai peut-être pourquoi vous avez choisi cette pierre plutôt qu'une autre. Je voulais choisir. Ça m'intrigue beaucoup en fait, je ne peux pas expliquer. Essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe en vous avec cet objet dans les mains. Bah, c'est comme si ça se mettait au cœur de moi et ouais. Ensuite ça ouvrait le plexus du cœur et ça se dispersait dans toutes les directions. C'est comme s'il était en mouvement, comme un vortex. Ouais, c'est comme si ça allumait quelque chose là et que tout d'un coup ça ouvre. C'est une forme de... Ça me fait comme une espèce de conscience intérieure. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est une sensation curieuse. Et comme si ça ouvrait dans toutes les directions et ça poussait un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Ça le pousse. C'est exactement ça, en fait. Ça rentre en vous. Ça vous donne votre espace, votre place. Vous êtes dans l'être. Et ça expanse votre aura. Donc, du coup, votre aura est beaucoup plus dilatée. Ah, voilà. Donc, ça va... accentuer votre hypersensibilité, votre perception. C'est un grand maître que vous avez entre les mains et vous ne l'avez pas entre les mains par hasard. Si vous l'avez entre les mains, c'est que c'est juste. En fait, c'est un vajra. C'est ce qu'on appelle un triple vajra. Vous voyez, il y en a trois. 1, 2 et 3. Et il vous connecte dans toutes les directions. Ça s'ouvre dans tous les sens et ça reste là, quoi. Ça dilate. C'est... Ça expande, ça dilate. C'est une ouverture de conscience. D'accord. Là, vous êtes en train de, je dirais, d'ouvrir une nouvelle porte au niveau de votre conscience. D'accord. Ce quartz est venu d'Himalaya. Donc, il y a l'énergie de l'Himalaya en plus. Vous vivez quelque chose de très important là, à l'instant T. Vous le sentez ? Oui. Voilà. Moi, je le sens vraiment. Il y a une émotion qui est très forte. Oui. Avec plaisir, et remercier le maître surtout qui est venu à vous.